et bienvenue à toutes les batteuses, batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Quand et comment jouer des 4-4 en jazz? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un 4-4? Alors, cela n'a rien à voir avec la mesure 4-4. Faire des 4-4 en contexte jazz, c'est un chorus partagé entre instrumentistes. Lors donc, d'une grille d'un standard, un soliste va jouer, va chorusser 4 mesures, puis un autre 4 mesures. Le premier refait un solo ou un troisième soliste joue 4 mesures en solo. On se renvoie la balle, en fait. Au niveau de la batterie, généralement, donc, lors d'un jeu en standard, l'ensemble des musiciens joue les 4 premières mesures du standard, du morceau, et les 4 mesures suivantes, en suivant bien sûr le défilement de la grille, d'accord, le batteur joue 4 mesures seul. Puis à nouveau l'ensemble des musiciens, 4 mesures de jeu, et 4 mesures suivantes, le batteur seul. Voilà, les 4-4. Alors, techniquement, comment faire? Déjà, savoir, parce que c'est très important, de garder la structure de rythme, hein, des 4 mesures, des cycles de 4 mesures. Pas manger un temps, pas en rajouter un autre. Donc, très important de savoir jouer un shabada en comptant les mesures. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Donc, bien faire cet exercice, voilà, être à l'aise, à bien ressentir ce cycle de 4 mesures. Après, on peut très bien, en jouant des noirs et des croches ternaires, faire déjà des premiers 4-4. Après, c'est toute une évolution. Plus on a du vocabulaire, plus on a de la technique, plus on va enrichir le jeu et faire des 4-4 de plus en plus beaux et variés. Donc, on peut par exemple savoir déjà compter les mesures sans jouer, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, bien s'imprégner hein, de cette structure. Après, on peut faire donc déjà des noirs. On va jouer des mesures à 4 temps. Une mesure, première noire, caisse claire. Deuxième noire, tom alto. Troisième temps, on revient à la caisse claire, tom basse. Et on va compter les mesures en jouant des noirs, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous vous amusez. Mais un mélange, 4 mesures de shabada et cette intervention très simpliste, mais il faut bien démarrer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc., etc. Nous pouvons jouer des croches ternaires. Donc, première et troisième croche de chaque triolet, comme ceci. 1, 2, 3. 4 mesures de shabada, 4 mesures de tempo et cette intervention. Vous avez vu, une mesure par élément. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. etc. Hein, c'est un cheminement, l'étude hein, d'un instrument. Donc, on démarre par des choses très simples. Après, on peut mélanger des croches, des noirs, etc. etc. Alors, l'étape suivante, c'est de penser, on peut poser une question dans la première mesure, toujours en ne jouant que des noirs et des croches. On pose une question dans la première mesure, la deuxième mesure, on répond.
La troisième mesure, on repose la même question. La quatrième mesure, on répond et on rajoute une ou deux notes. Voilà un exemple. La première mesure, la question sera de jouer par exemple un... Voilà la première mesure. Donc je repose cette question dans la première mesure et je vais répondre. Très simplement aussi. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà la réponse. Je reprends. Maintenant, je fais les quatre mesures de tempo et ces quatre mesures-là. Question, réponse, question, réponse. Très simple. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Etc, etc. Vous avez vu ? Question, réponse, question, réponse. On peut changer, bien sûr. Hein ? Plus on avance, plus on va inventer, plus facilement. Donc là, la question sera, par exemple, et la réponse, par exemple, je vais faire donc, les quatre mesures et c'est question-réponse. 1, 2, 3, 4. 4. Etc, etc. Après, on invente. Hein. Et c'est sûr qu'avec du vocabulaire, vous pouvez apprendre aussi par cœur des 4-4 écrits dans des méthodes. J'ai pour ma part écrit un volume 4 consacré au jeu ternaire. Je vous invite bien sûr à le consulter. Vous pouvez me rejoindre au sein de l'école apprendrelabatterie.com. Voilà, et faites-vous plaisir, avancez en inventant. Mais le jeu de questions-réponses, c'est important. Et ça permet de tout de suite jouer. Et bien sûr, après, on sera plus inspiré en contexte musical, en connaissant le thème qu'on a joué, en fonction de ce qu'ont fait les autres musiciens avant vous. Voilà, donc il faut... être patient et chercher aussi, c'est important. Donc pour terminer, je vous propose de jouer à 120 battements par minute, un tempo médium, 2-4-4, un peu plus recherché. 1, 2, 1, 2, 3. Pour la vidéo du jour, j'espère que vous l'avez trouvée instructive et intéressante. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le pouce bleu, de la partager, de la commenter. Et j'espère surtout vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci en attendant donc de faire partie des batteuses, batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. À bientôt.